De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno en ce 5 février. Place à toute l'actualité high-tech de cette semaine avec tout à l'heure Victor Jakimovic. Qui sera là, sa sélection de gadgets high-tech? Comment booster son Wi-Fi à la maison pour 30 euros? Il a la solution. Et puis avec Aymeric Séméan, on fera un point sur les PC portables gaming. Comment choisir? Un top 10 est en ligne sur 01net.com. On vous donnera quelques conseils pour bien choisir tout à l'heure. Mon Twitter F serait la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et ce de quoi je me mêle, bien sûr, commence par le club de la presse IT. Ils sont là, Christophe Joly. Bonjour. Rédacteur en chef de Metro News. Salut Christophe. Bonjour. Bonsoir. Et Jean-Marie Portal, qui représente, vous le savez, fièrement cet excellent magazine papier qui est là. C'est Zéro Net avec le nouveau numéro qui est en kiosque. Oui, bonjour François. Bonjour Jean-Marie. Et avec Jean-Marie, dans un instant, on va vous donner des conseils concernant les crédits en fait, à la conso sur le web. Vous voulez vous acheter par exemple un smartphone, ça coûte un peu cher. Ben voilà, c'est vrai que ça peut être un critère de choix hein, concernant justement le site marchand. On va en parler tout à l'heure. Mais on commence par l'actu vue par Metro News. Et on débute par cette rumeur folle, peut-être bientôt un casque de réalité augmentée chez Apple. Oui, je pense qu'on est au-delà de la rumeur, parce qu'en fait, Tim Cook, lors d'une conférence de presse en janvier, a dit que la réalité virtuelle pouvait avoir des applications intéressantes. Alors, il suffit de ces deux mots pour que le web s'enflamme, évidemment. Et on prend conscience que finalement, Apple, effectivement, pourrait bien investir ce segment sur lequel oui. Microsoft et Facebook investissent déjà. Ils auraient recruté une centaine d'experts, notamment chez Microsoft, qui ont travaillé sur le casque HoloSense, dont on a parlé il y a quelques temps. On l'avait testé chez Metro News, on avait été bluffé par le résultat. On apprend aujourd'hui qu'au moins deux prototypes de casques auraient été confectionnés par Apple. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle sera la technologie. Est-ce que ce sera comme le Samsung VR qui suppose d'utiliser le smartphone comme écran ou l'Oculus Rift de Facebook qui fonctionne avec un ordinateur? Ça, on n'en sait pas plus. Mais dans tous les cas, la réalité virtuelle va devenir une réalité assez probablement chez Apple. Il y a un véritable boulevard au niveau techno, au niveau des applications. On peut imaginer plein de choses. On n'imagine pas Apple laisser ça de côté. Voilà. Et ouais. Le fait que Tim Cook s'engage de cette façon est un signal. Mais Tim Cook s'est engagé sur plein de sujets. Il a toujours trouvé que la télé était un sujet intéressant, la voiture était un sujet intéressant. Ouais, c'est clair. Jean-Marie, qu'est-ce oui, que vous en pensez? Pourquoi pas après le... Il commence à avoir du monde hein, sur ce marché. Il commence à avoir du monde. Pour le moment, ce type de casque, on en voit au niveau grand public l'usage surtout pour le jeu. Oui. Donc c'est bien de sortir un casque, mais encore faut-il avoir les usages qui vont avec. Quand Apple a sorti son iPhone, ils avaient déjà les services. Et en principe, Apple imagine ses produits en se posant la question tout de suite de savoir en quoi ça va être utile un petit peu au quotidien. Et là, pour le moment, sauf s'ils en sont vraiment plus forts que les autres, Steve Jobs n'étant plus de ce monde, on s'aperçoit qu'on tâtonne, hein, tout le monde cherche. Oui, la techno est là. Par contre, il n'y a pas les usages vraiment, à part vraiment pour le jeu peut-être. La question s'était posée pour les iPads. Au moment où ils étaient lancés. On s'en rappelle, François, clair. On en avait parlé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? Trop grand pour un téléphone, trop petit pour un ordi. Oui, sauf que les iPads, il y avait déjà les applis, il y avait le magasin d'applis. Donc, on imaginait très bien d'adapter la taille des applis à la taille d'écran de l'iPad. Et puis, on voyait bien que pour lire de la presse ou lire des livres, ça pouvait effectivement... Enfin, il y avait des usages. On peut effectivement imaginer qu'Apple travaille là-dessus, mais pour apporter quoi par rapport à la concurrence? C'est ça qui va être intéressant. Aujourd'hui, Samsung a son Gear VR. On voit que Oculus est sur le marché, HTC va lancer son système, Sony. Voilà, Apple apporte toujours quelque chose de différenciant. Et qu'est-ce que ça peut être? Bon, on le saura peut-être à la une fin de pomme. On verra bien. Une pomme. Une pomme virtuelle en 3D qui tournerait comme ça autour de vous. Waouh! Le 15 mars prochain, on va sans doute encore parler d'Apple. Ouais, ouais. Christophe. Probablement, on mise sur cette date pour avoir une conférence de presse d'Apple qui tombe à mardi. Il faut savoir que de coutume, les confs d'Apple se déroulent à mardi. On devrait découvrir le 5 SE. Qui est l'iPhone d'entrée de gamme, on va dire, et non pas low cost, puisque low cost semble un terme inadapté pour un téléphone qui va quand même coûter 400 euros, avec un écran de... 400 euros au minimum. Minimum. Moi, je pense qu'il sera plutôt aux alentours des 500-600 euros. Hein. 500 euros. Voilà, donc on va dire entrée de gamme, on va dire low cost, effectivement. Écran de 4 pouces pour rappel. On va aussi voir la présentation du nouvel iPad 3, qui reprendrait certaines fonctions de l'iPad Pro, notamment 4 haut-parleurs pour avoir une restitution sonore de meilleure qualité. Et ça, c'est pas un mal, hein. Franchement, ça sera cool. Hein. Ouais, ce sera pas du luxe, effectivement. Et également, l'Apple Watch S, qui serait une version améliorée et allégée de sa montre connectée, qui marche moyennement.
Intéressant tout ça. Hein. Donc rendez-vous le 15 mars, événement à suivre sur 01net TV. On sera en direct, on prendra l'antenne pour vous faire vivre cette keynote avec vos questions, bien sûr, vos réactions et des invités. On poursuit avec Apple. Apple qui a eu chaud, on peut le dire, avec certains adaptateurs secteurs. Oui, la semaine dernière, on a parlé de Microsoft qui devait rappeler certains de ses câbles de recharge. C'est la saison. Hein. Ouais, c'est la saison. Les adaptateurs, là. Là, pour le coup, il s'agit de câbles d'adaptateurs secteurs qu'on branche sur des prises murales qui ont été vendus entre 2003 et 2015. Donc, ça couvre une période assez importante. Oui. Le risque, c'est que les broches se cassent et il y a un risque de décharge électrique. Donc, il n'y a que 12 cas qui ont été relevés dans le monde, 12 incidents, mais ça justifie néanmoins de rappeler les produits. C'est gratuit. Il suffit de regarder à l'intérieur de son adaptateur. Si vous voyez écrit EUR, il est conforme, donc ce n'est pas la peine de le rapporter. Si vous distinguez 4 ou 5 caractères ou aucun caractère à l'intérieur de l'adaptateur, là pour le coup, allez dans un centre Apple pour vous faire remplacer. Ils vous diront de toute façon si vous êtes concerné ou pas par le rappel. D'accord. Mais bon, ça concerne beaucoup de produits hein, oui. Et dans plusieurs zones géographiques du monde. C'est ça. On enchaîne maintenant avec le concurrent direct d'Apple en matière de smartphone, c'est Samsung. Samsung qui, lui, s'apprête à dévoiler son Galaxy A7. On connaît la date maintenant, hein. Ça sera le 21 février à l'occasion de l'ouverture du Mobile World Congress. Voilà, alors on sait qu'en termes de design, il va être très proche du S6 qui est actuellement commercialisé. On aura deux tailles, on aura le S7 et le S7 Edge. Le Edge reproduira, comme le 6 Edge aujourd'hui, les écrans à bord arrondi, dont l'usage reste à définir. Hein. Moi j'en ai un, je m'en sers assez peu finalement, c'est joli. Oui, c'est vrai que c'est une note de design, mais ça sert à rien. Voilà, d'accord. Une nouvelle couleur, or, iPhone a son champagne, eh bien, il y aura désormais la couleur or pour le S7. En termes d'autonomie, c'est intéressant puisque l'autonomie devrait être plus importante avec des batteries plus performantes. On passerait à 3000 mAh pour le classique, 3600 mAh pour le Edge versus 2550 et 2600 aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Ils annoncent également un temps de recharge beaucoup plus rapide. On sera à 2 heures. Ou 2h20 en fonction des modèles pour recharger à 100%. Ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et autre fait a priori confirmé, l'introduction d'un port micro SD pour pouvoir stocker. Et ça, c'est bien. Parce que c'est ce qui manquait visiblement avec Galaxy S6. Hein. Le mien a été saturé. J'ai dû le réinitialiser, restaurer complètement pour pouvoir le réutiliser parce qu'il chauffait, il ne marchait plus, il buguait tout le temps. Ah oui. Voilà. Ouais. Peut-être aussi un nouvel appareil photo encore plus performant, mais ça, on ne peut pas en attendre moins de la part de Samsung. Rendez-vous le 21 février, évidemment, toutes ces annonces seront à suivre sur 01net TV, bien entendu, vous vous en doutez. On enchaîne maintenant avec un robot un peu bizarre. Un peu bizarre. Sauf que vous avez dégoté à la rédaction de Metro News. Oui, alors qu'on n'a pas parce qu'il est un peu encombrant, il est un peu loin. C'est un robot japonais qui s'appelle Landroid. Landroid pour lessive, Droid pour Droid robot, comme Android par exemple. C'est un robot qui pourrait être commercialisé d'ici 2020. Donc il y a quand même une espèce de réalité. Ouais. En clair, une fois que votre linge est lavé, il est séché, vous le placerez dans ce compartiment dédié et là, il pliera, il rangera automatiquement vos vêtements. Alors, c'est quand même pas mal. Il identifiera... Alors, il plie, il range et il repasse aussi ? Oui, bah, tout sera... Bah, en fait, ce sera l'avant séchant, repassant, à l'image des sèches-linges aujourd'hui. C'est plutôt pour les sous-vêtements, hein, pour les t-shirts, ou les chaussettes ou les petites culottes. Les chemises, non ? Pas encore, mais qui sait. Alors, le problème, c'est que... Le mec est intéressé. Le robot détecte tout de suite le vêtement qu'il doit plier. Il lui a fallu 5 bonnes minutes pour identifier un seul vêtement et le plier. Donc, c'est relativement long. Ouais. Donc, vous partez le matin au bureau, vous lancez le robot et le soir, ce sera rangé. D'accord. Alors que vous, ça vous prend quelques secondes quand vous le faites, François, si vous rangez vos vêtements. Ça va consommer une tonne d'électricité, ce truc-là, en plus. C'est assez probable, c'est assez encombrant. C'est la taille d'une bonne armoire. Vous vous retrouvez avec des petites culottes, avec vos chaussettes ou... C'est un moindre mal, non ? Parce que ça ne vous empêchera pas. Mais c'est immense, enfin, pour tous ceux qui sont avec nous là en vidéo et qui voient la démo. Oui, c'est une belle armoire. Mais c'est un truc, mais ça fait un dressing, quoi. C'est la taille d'un dressing. Donc, il faut avoir l'appartement qui va avec. C'est un truc de dingue. Mais je trouve que c'est intéressant. Moi, ouais, ça fait plutôt envie. Ouais, franchement. Hein, franchement. Bon, on n'a pas de prix, on n'a pas de. Non. On en reparle en 2020. Voilà, en 2020. En 4 ans. Ouais, rendez-vous. Allez. On aura quelques cheveux blancs. Alors là, maintenant, puisqu'on parlait 2020, on va maintenant s'intéresser à tous les nostalgiques de Windows 95. Si, j'en connais, qui aimaient bien ce menu démarrer, ces graphismes dépouillés, ces petits plantages avec ces écrans bleus. C'était cool quand même, Windows 95. Enfin, cela dit, je me moque, mais ça a été quand même un OS qui a bouleversé l'informatique, hein, Windows 95. Bah, ça est arrivé. C'était en rupture par rapport à 3.1. C'est ce qui a permis au PC de se développer. Et on va en parler. Voilà, on va en parler. Pour les nostalgiques, un jeune étudiant écossais a imaginé un émulateur qui permet de reproduire l'environnement de Windows 15. Vous allez sur http://win95.ajf.me.
slash. Ouais. Et sinon, vous le retrouvez facilement sur Internet. Et en clair, vous allez avoir tout l'environnement de Windows 95 avec le menu démarrer, l'explorateur de l'époque, l'application Blocknote, le lancement des programmes, alors qu'ils peuvent bugger un petit peu parfois. Vous aurez le démineur surtout et la dame de pique, la fameuse réussite. Voilà, c'est vintage, c'est sympa. Ça ne sert pas à grand chose si ce n'est que ça permet de montrer ce à quoi ça ressemble à l'époque. Voilà. Vous pouvez aussi ressortir votre Minitel, mais là, il ne fonctionnera pas. Voilà, pour tous les moins de 20 ans qui goûtent. Sachant que sa valeur éducative, hein. Donc c'est réfléchi comme tel. Bah, c'est un musée en quelque sorte. C'est un musée de l'informatique, ce Windows. C'est plutôt drôle. Oui, mais il y a d'autres blogueurs qui s'était amusé à faire la même chose avec System 7, System 8, System 9. Il y a plein d'émulateurs. Ouais. En fait, c'est un émulateur. Hein, là, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est rigolo hein, quand on n'a pas connu System ou. Il y avait un dingue qui avait réussi à installer sur une montre connectée Windows 95 en fait. Un truc de fou qui sert à rien, mais bon, le gars ça le faisait kiffer. Bah, oui. Ouais, c'est sûr que pour... Vous savez, quand on est geek, il faut y aller à fond. Hein. Le menu démarrer sur une montre, il faut y aller. Hein. Ouais, c'est ça. Merci Christophe. Merci François. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Metro News, metronewsfrance.fr. Non, pas Metro France, metronews.fr. Metronews.fr, c'est bien ce que je disais. Oh là là, avant, vous m'induisez en erreur à chaque fois. Ça fait juste un an et demi. Le mec qui essaie comme ça, tu sais. Et puis les applis mobiles et tablettes, bien évidemment. Jean-Marie Portal. François Sorel. Parmi les innombrables sujets qu'on retrouve dans ce nouveau numéro de Zéro Net Mag, il y a quelques conseils pour bien choisir son crédit à la consommation sur le web. Oui, c'est même... En tout cas, quand on achète des produits high-tech. C'est même un peu plus que ça, c'est une enquête qu'on a menée. Une enquête que vous avez menée. Que j'ai menée, d'ailleurs, et voilà, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est ces grandes idées, vous savez, qu'on a parfois, puis une fois qu'on est dedans, on se dit, mais qui a eu l'idée? Ah, c'est moi. Donc, parce que quand on achète, un produit, un gros produit, hein, généralement, un smartphone, effectivement, 800, 900, 1000 euros, une télé, hein, ça, les prix des télés s'envolent dès que vous voulez un écran 4K, très grand. Le problème, alors, c'est OLED, là, on sait, moi, je sais très bien que les prix s'envolent. Voilà, les prix s'envolent. On n'a pas forcément la somme sur son compte en banque. Et la solution que vous servent d'ailleurs sur un plateau, hein, tous les cybermarchands, ou presque, c'est le paiement en plusieurs fois. Mm-hmm. Alors, certes, il y a chez certaines enseignes comme Conforama ou la Fnac, le 3, le 4 fois sans frais, ça, on connaît, c'est assez classique. Qui est bien efficace. Ça reste des sommes quand même parfois assez conséquentes. Si on veut étaler un petit peu plus dans le temps, il faut prendre un crédit plus longue durée. Et quand on commence à mettre le nez là-dedans, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si simple que ça d'acheter à crédit. D'une part, parce que toutes les enseignes, en l'occurrence là, on a testé donc 9 enseignes de Apple à Grobil, en passant par Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, etc. Tous ne proposent pas les mêmes durées de crédit. Donc, si vous voulez payer en 10 fois, en 20 fois, 30 fois, c'est pas... Oui, ça change bien évidemment tout le monde d'intérêt. Ne propose pas ça. Ça change les intérêts. Et puisque vous parlez d'intérêt, il y a ce fameux taux d'intérêt, le taux le TEG, qui varie lui aussi pas mal d'une enseigne à une autre. Donc, en général, il est plutôt élevé, non ? Alors oui, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que ce sont des crédits à la consommation. Ouais. C'est pas un crédit immobilier. Vous avez des taux de crédit qui peuvent s'envoler jusqu'à quasiment 20%. Hein. Il faut en avoir conscience. Pas mal de crédits aussi qui sont adossés à une carte magasin. C'est-à-dire que vous voulez à la Fnac payer à crédit, on vous refourgue au passage la carte magasin et avec cette carte magasin, vous avez une réserve d'argent. Alors ça, c'est un deuxième crédit qu'on vous fait. Donc c'est du crédit. Du revolving, c'est voilà, c'est ça, du c'est revolving, du crédit renouvelable. Ouais, vous avez même pas besoin de. Vous faites juste. Vous signez, c'est parti, quoi. Vous signez, c'est parti. Alors, après, soit vous choisissez en magasin de payer sur une durée donnée, vous allez dire, moi, je veux payer en 10 fois, vous connaîtrez votre taux de crédit et les mensualités ne vont pas varier. Autre solution, la solution de facilité qui peut être tentante, c'est d'utiliser cette réserve d'argent telle qu'elle. Vous payez avec la carte, sauf que là, vous êtes en crédit renouvelable. Le taux de crédit s'envole facilement à 19-20%. Vous remboursez des toutes petites sommes dans le temps et là, pendant des années. Et en plus, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si vous réutilisez cette carte pour acheter autre chose, tant que vous n'avez pas épuisé votre réserve d'argent, vous pouvez puiser dedans. C'est un autre crédit que vous contractez et les remboursements se cumulent. Ouais. Donc c'est pas la somme globale. Si vous regardez le coût du crédit en bas de la ligne, ça fait cher. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc attention, nous ce que nous conseillons dans ce dossier, c'est
éviter d'utiliser ce crédit redoublable, même si on vous le refourgue un petit peu automatiquement au passage. C'est le cas quand même de pas mal d'enseignes. Je citais la Fnac, mais Darty actuellement, c'est la même chose. Qui d'autre? Enfin bon, il y en a d'autres, on va pas tous les citer. Éviter de l'utiliser et prendre plutôt la formule de crédit classique, qui, même si c'est du crédit à la consommation, vous connaissez le taux et vous savez combien vous allez rembourser chaque mois. Ce qui est pas mal parfois, c'est qu'à la souscription du crédit, vous pouvez avoir d'assez fortes remises sur certains produits qui rentabilisent largement le coût du crédit. Ah, ça c'est bien. Vous pouvez obtenir un crédit gratuit. Une baisse du tarif, du prix. Non, mais il y a souvent des offres sur les sites. Ah, vous avez X centaines d'euros de remises. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur cette édition. 300 euros, c'était quand même beaucoup. Et ça a largement amorti le coût du crédit. Donc finalement, vous avez un crédit à taux zéro. C'est pas mal. Ouais. Mmh. Ouais. Parfois des garanties supplémentaires. L'autre point auquel il faut faire très attention, et là on était un petit peu de surprise en faisant ce dossier, c'est que finalement, alors que la loi Hamon tente d'encadrer beaucoup plus les crédits à la consommation, entre autres en obligeant ceux qui fournissent ces crédits à donner suffisamment d'informations aux clients, sur les sites web, c'est très très succinct. Certains sites vous indiquent bien les taux de crédit qu'ils pratiquent, ouais. D'autres vous ne les trouverez jamais. Donc nous, parfois, on a dû aller en magasin directement pour se renseigner, on a dû téléphoner, enfin voilà. Donc dans ce dossier, vous trouverez les taux de crédit qui étaient pratiqués en tout cas au 21 janvier, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le taux d'usure est révisé tous les 3 mois par la Banque de France et donc que les taux de crédit sont ajustés en fonction par les magasins, par les banques, etc. Autre point, ne pas perdre de vue non plus que ce ne sont pas les commerçants qui pratiquent ces crédits-là, mais derrière, c'est des organismes de crédit. Hein. Les Sofinco, les banques Casino, les Cofidis, les banques Accor, c'est TLM. Mais ce n'est pas parce que vous avez le même organisme de crédit derrière plusieurs enseignes que vous aurez les mêmes taux. En l'occurrence, Sofinco est derrière l'Apple Store, Matériel.net, Fnac.com, Darty.com. Oui, et chez ces 4 enseignes, on n'a pas les mêmes taux. Alors comment ça se fait? Simplement, c'est une négociation, c'est un produit comme un autre. Sofinco fournit le crédit à la Fnac, par exemple, et la Fnac va peut-être décider de prendre à sa charge certains frais pour être plus compétitif et essayer de séduire un peu plus les clients. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, idéalement, c'est il ne faudrait pas sortir du 3 à 4 fois sans frais si on en a les moyens. Si on en a les moyens. Étaler sur 3 à 4 mois, parce que là, en général, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Voire rien. Voire rien. Oui. Pour vous donner un exemple, là, on a fait, par exemple, pour une télé que vous payez 2000 euros et que vous les payer en 10 fois à crédit. À la FNAC, le coût du crédit s'élève à 71 euros, donc 71 euros que vous allez payer en plus des 2000 euros. Voilà, Matériel.net, 83,30 €, Boulanger à 137,20 € et chez Darty actuellement à 158 euros. Ah, donc c'est plus du double. Alors un petit bémol sur Darty quand même, qui est très mal noté dans notre comparatif. Il se trouve que Darty est en train de reconstruire son offre de crédit. D'accord. Et alors, donc c'est là, pas forcément très intelligent de leur part, en tout cas c'est mon opinion. Donc ils ont stoppé les offres de crédit qu'ils faisaient en ligne. Alors vous avez d'autres offres de crédit en magasin, des taux beaucoup plus intéressants. Mais en ligne, ils ne proposent plus que leur carte à un taux exorbitant en attendant de mettre en ligne, enfin bref, on est dans un trou noir, en attendant qu'ils mettent en ligne leur nouveau crédit. Jean-Marie, vaut mieux, si par exemple j'achète sur ces enseignes qui sont à la fois sur le web ou en magasin, aller sur le web, contracter un crédit sur le web ou plutôt en magasin? Alors le truc, c'est que ça dépend justement. Il y a deux exceptions, en l'occurrence actuellement. Ce sont au moins deux exceptions. C'est la FNAC, c'est Darty et que je ne dise pas de bêtises, il y en a un autre qui propose des crédits c'est en ligne. Alors oui, c'est la FNAC, Darty, Boulanger. Et Boulanger, en l'occurrence, j'ai été très surpris parce que les taux de crédit proposés en ligne sont moins intéressants que les taux de crédit qu'on va vous proposer en magasin. Entre autres, si vous avez une carte famille nombreuse, ils proposent un crédit spécial en magasin qui ne propose pas en ligne, qui est de l'ordre de 8% et qui est extrêmement plus intéressant que le crédit qui propose à jusqu'à 15,71%. En ligne. Donc là, se déplacer, ça vaut le coup. La FNAC, je disais une bêtise, la FNAC, une fois que vous avez pris la carte FNAC en magasin ou en ligne, c'est exactement la même chose. Pour avoir plus de détails concernant cette enquête hyper intéressante, en tout cas si vous êtes en phase d'achat d'un produit high-tech assez onéreux à crédit, c'est dans le 01net Mag de cette semaine, du 3 au 16 février, et c'est le numéro 836 que voilà. Jean-Marie Portal, merci beaucoup. Merci François. Encore merci à Christophe Joly. Merci à vous. Et De quoi je mêle se poursuit dans un instant avec un spécial PC portable gaming. Comment choisir? Combien coûte aujourd'hui un PC portable gaming? Assez sympa, on verra ça avec Émeric Siméon. Et puis après, ce sera Victor Jakimovic, bien sûr. Mon Twitter F sera la page Facebook de De quoi je mêle. Vous cliquez sur j'aime. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.